Parmi les batailles que la nation occitane a livrées et perdues, l'une d'entre elles a sans doute scellé notre sort de nation occupée par un autre État. La bataille de Muret, le 12 septembre 1213. 4 ans après le début de la croisade contre les Albigeois, menée par le pape Innocent III contre les chrétiens hérétiques d'Europe, la situation des contrées s'étendant entre Pyrénées et Alpes est incertaine. Les sujets du comte de Toulouse sont occupés depuis 4 ans par les bandes armées du pape. Leur situation est précaire. Le comte de Toulouse, Raymond VI, s'est officiellement croisé à Saint-Gilles le 19 juin 1209. Mais Raymond tergiverse et au lieu d'aider activement le pape, il laisse perdurer ses hérésies en protégeant ses vassaux dont les murs sont infectés par ses nouvelles pratiques religieuses jugées condamnables par Rome. Les populations qui ont subi 1000 méfaits de la part de ces soudards sont lasses. Pour les barons provinciaux, comme on les nommait alors, la situation est intenable. Leurs richesses ont été pillées, les croisés tiennent les péages avec l'Église, le pays est exsangue. Beaucoup d'entre eux qui ont résisté à l'host papal sont faillites. Dans leur château, les ont remplacés des fidèles du grand host, le terrible Simon IV de Montfort. Au sud, le royaume d'Aragon, qui s'étend du delta de l'Èbre jusqu'aux portes de Narbonne. Leur roi, Pierre II, dit le catholique, est devenu l'homme d'armes le plus puissant en cette Europe du sud, depuis les vicissitudes de son beau-frère, Raymond VI de Saint-Gilles et de Toulouse. Il commande une armée puissante et bien structurée. Ses vassaux ont pu recruter des hommes d'armes de métier, connus dans le métier des armes depuis des décennies. C'est l'homme fort de cette Europe du sud, fidèle au pape. Mais ses vassaux rechignent à venir se battre contre d'anciens alliés. Un an plus tôt, ils ont combattu avec les croisés à la bataille de Las Navas de Tolosa contre les musulmans almohades. Ce sont tous des catholiques convaincus. L'occupant, à l'origine, c'est l'armée du pape commandée par Simon IV de Montfort. Une armée hétéroclite, des combattants venus du nord, pour la plupart, à qui ont été promis des indulgences en matière spirituelle contre 40 jours de bataille. Mais aussi des routiers recrutés au passage, tout ce beau monde vivant de pillage comme c'était l'usage à l'époque. L'Occitanie est vaste, il faut garder les places fortes dans un pays hostile. Au nord, il y a le roi de France. Celui-ci ne veut pas se mêler à ce conflit. Philippe II Auguste a tout juste consenti à laisser son fils se mêler à ce grand host. Et c'est uniquement pour être agréable au pape Innocent III. Il se soucie bien plus du roi d'Angleterre Jean, qui est suzerain de terres immenses, allant des frontières de la Navarre et de la Genêt, et comprenant le duché d'Aquitaine et de l'Auvergne jusqu'à la Normandie. Le roi d'Aragon se rend chez le pape et l'informe de sa décision de défendre les terres occitanes contre la cupidité des pèlerins venus du nord et l'obstination des légats à nuire au comte de Toulouse. On peut aussi penser de manière légitime que le roi d'Aragon veut profiter de la vacance de pouvoir pour étendre sa suzeraineté sur la totalité des terres occitanes. Innocent III lui concède finalement ce droit à défendre les catholiques se trouvant persécutés, au même titre que les hérétiques, par les troupes levées par Simon de Montfort. C'est dans cet esprit que, dans l'été 1213, Pierre II se rend dans la région de Toulouse. Il rencontre les légats, il leur demande de faire restituer par Simon de Montfort les biens qu'il a pris à leur légitime propriétaire. Les comtés de Comminges, de Foix, et de Béarn. Au contraire, les légats refusent et se raidissent contre la volonté de Pierre d'Aragon et décident d'anéantir Toulouse, devenue cette nouvelle Sodome, et ceci pour le salut des chrétiens. Alors Pierre d'Aragon décide d'employer la force et fait traverser les Pyrénées à ses troupes pour se rendre à Toulouse. Parallèlement, les comtes proscrits rassemblent leurs milices communales qui se retrouvent dans la région toulousaine. Début septembre 1213, Simon IV de Montfort se trouve à Muret.
Il a eu connaissance des intentions du roi d'Aragon. Il décide d'aller chercher à Carcassonne et dans les places fortes environnantes les renforts qui lui manquent. Le 9 septembre, il se trouve à Fanjeaux. Ayant appris les intentions de Pierre d'Aragon, il décide de regagner au plus vite Muret. Cette bataille importante, qui a créé les conditions d'un assujettissement à la France des terres d'Oc, nous a été relatée par plusieurs sources. Tout d'abord, la Canso de la Crozade. Deux auteurs pour cette chanson. La première partie, jusqu'à 1212, a été écrite par Guillaume de Tudèle, un homme d'église navarrais installé à Montauban. La deuxième partie, qui concerne notre propos, relate les années 1213 à 1218. L'auteur est anonyme, qu'il a écrite entre 1218 et 1219. C'est un religieux qui n'a pas assisté à la bataille, mais qui a vécu avec des survivants qui la lui ont relatée. C'est une version en vers. Puis au XIVe siècle, une version en prose résumée et légèrement différente. Il y a aussi la chronique de Guillaume de Puylaurens. Lui non plus n'a pas assisté à la bataille, mais a vécu dans l'entourage de Raymond VI et a été le chapelain de Raymond VII. Côté aragonais, la chronique de Jaume Ier le Conquistador. Fils du roi d'Aragon, Pierre II, et de Marie de Montpellier, il a assisté à la bataille, mais à l'âge de 5 ans et demi. Il y a les récits de Raymond VII. Du haut de la colline de Péramont, il a assisté à la bataille à l'âge de 16 ans. Devenu plus tard un grand guerrier, son témoignage est celui d'un professionnel des armes. Côté français, la chronique de Pierre, moine de Vaux de Cernay. Témoin de la bataille, il a été le chapelain de Simon de Montfort. Il y a aussi le mandement des évêques, enfermé dans la chapelle au moment de la bataille. Rédigé le 13 septembre, il relate la situation au lendemain de la bataille et l'étendue des pertes, révèle les préparatifs, mais les auteurs n'ont pas vu les derniers assauts. On compte aussi la chronique de Baudouin d'Avesnes, écrite 30 ans après la bataille par l'un de ses acteurs. Il subsiste peu de traces des organisations défensives de Muret en 1213. La citadelle a été rasée en 1623, comme beaucoup d'autres, sur ordre de Louis XIII. Nous sommes devant la mairie de Muret. C'est ici qu'en 1213 s'est levée la tour du château. La bataille. Mercredi 11 septembre. Simon et ses troupes ne sont pas encore arrivés. La place de Muret n'est défendue que par 800 à 900 hommes. En face, les armées de la coalition sont considérables. La cavalerie est constituée de 3000 cavaliers, 1500 pour le roi d'Aragon, 500 pour le comte de Comminges, 500 pour le comte de Foix et autant pour le comte de Toulouse. L'infanterie compte 40 000 fantassins, dont sensiblement à égalité 20 000 fantassins issus des milices bourgeoises des villes de Toulouse, de Montauban et de la région, et 20 000 milices féodales amenées par chacun des trois comtes. Mais cette suprématie numérique, si elle est un atout, ne va pas s'avérer prépondérante. Déjà, avant la bataille, des divergences existent entre Pierre d'Aragon et Raymond de Toulouse. Car Raymond voulut préparer une tactique de bataille, Aragon refusa, prétextant qu'une telle différence numérique écarter toute stratégie. Raymond dut se résoudre à la décision de Pierre d'Aragon, investi du commandement en chef. L'assaut commence par la porte de l'Ouest. Les milices féodales et toulousaines franchissent la Louge avec leurs machines de guerre et accablent les défenseurs sous une pluie de boulets. Les défenseurs de la porte Ouest reculent et sont obligés d'abandonner les remparts. La plupart refluent vers le château, ceux qui résistent sont massacrés. C'est à ce moment qu'arrive Simon de Montfort qui se prépare à combattre pour pénétrer dans la ville. Contre toute attente, ordre est donné d'arrêter le combat. Et on laisse entrer Simon avec ses renforts de près de 700 hommes dans la place forte. Simon entre dans la ville par la porte de l'Est.
franchit le pont devant les assaillants qui peuvent les compter et sa troupe s'installe. La fin de journée arrive et une trêve est négociée par les évêques. Les combats sont suspendus jusqu'au lendemain. Jeudi 12 septembre. Les légats veulent parlementer mais obtiennent un refus de la part du roi d'Aragon. Pendant ce temps, Raymond, évêque d'Uzès, célèbre une messe à laquelle Simon vient communier. Ensuite, il fait bénir ses troupes par les évêques et les sépare en trois escadrons à l'honneur de la Sainte Trinité. À la tête du premier escadron, il place Guillaume de Contre, gouverneur de Castelsarrasin, pour le deuxième, Bouchard de Marly, et il prend enfin le commandement du troisième. Simon décide d'attaquer. Il sort par la porte est, alors que les assaillants ont investi la porte ouest. Dans le camp d'Aragon, une messe est aussi célébrée et les chroniqueurs racontent que Pierre d'Aragon a eu du mal à s'y tenir debout lors de la lecture de l'évangile, exténué par une nuit tumultueuse avec une de ses maîtresses. Après avoir repoussé toutes les demandes de paix de la part des légats et des évêques, l'armée d'Aragon se prépare à la bataille. Pendant la bataille, les prélats s'enferment pour prier dans la chapelle du prieuré Saint-Germier. Le comte de Toulouse pense qu'il vaut mieux entamer un siège plutôt que de combattre. Il a su que Murette n'avait plus de vivres. Il lui semble préférable de prendre une position défensive en attendant Montfort. Montfort, de son côté, est prêt à en découdre et sûr de lui. Deux jours avant, à Boulbonne, lors de sa route entre Fangeau et Murette, il a rencontré Dom Morin, sacristain de Pamiers, qui l'a exhorté de rebrousser chemin. « Vous êtes trop peu contre tant de monde, lui dit le moine. » Pour réponse, Simon lui montre une lettre que ses agents de renseignement ont interceptée. C'est une lettre d'amour du roi d'Aragon à une de ses maîtresses. « Je n'ai rien à craindre, dit Montfort, d'un homme qui fait la guerre à Dieu pour une prostituée. » Montfort ordonne de laisser ouvertes les portes des poternes côté porte de Toulouse, ce qui a pour effet d'attirer les assaillants. L'attaque se développe sur toute la rive gauche de la Louge jusqu'à la Garonne. Entre-temps, les portes ont été refermées devant les milices féodales du comte de Foix, premier corps de la bataille soutenu par l'infanterie d'Aragon. 20 000 hommes sont ainsi engagés. Le deuxième corps est commandé par Pierre II en personne. Il est situé plein nord, à la limite des marais des Pesquies et la colline de Seyss. Le troisième corps est situé sur la colline de Seyss. À ce moment, les premiers et deuxièmes corps de l'armée croisée sortent de la ville par la porte de l'Est. Commandés par Alain de Roussy et Florent de Ville, ils sont masqués par la configuration du terrain et peuvent manœuvrer, protégés par le bruit de l'assaut de la porte ouest. Contrairement aux usages, Pierre d'Aragon décide de mener son deuxième corps en tête, l'oriflamme royal bien en vue. Les croisés font mine de battre en retraite, en direction du pont de la Garonne, puis soudain font demi-tour et fondent sur l'armée du comte de Foix. L'attaque est si soudaine qu'elle surprend les assaillants qui n'ont pas le temps de manœuvrer. Bousculés, écrasés par cette attaque soudaine, mais subissant peu de pertes, ils doivent laisser passer l'armée croisée qui traverse la Louge et se dirige vers les assaillants de la porte ouest qui est vite dégagée. Empêtrés dans les machines de guerre et ne pouvant manœuvrer, ils sont vite défaits. À ce moment, les lieutenants de Simon aperçoivent le deuxième corps de l'armée de Pierre II dans la plaine des Pesquies. Ils foncent immédiatement vers eux, plein nord, dans les marais, et ayant trouvé un passage ferme, ils l'engagent sans attendre. Là, ils cherchent l'oriflamme du roi et fondent sur lui. Ruse de dernière minute, le roi avait échangé son armure avec un de ses chevaliers. Celui-ci est immédiatement engagé, mais à la faiblesse de sa résistance, les croisés se rendent compte de la supercherie. « Ce n'est pas le roi, s'écrie de Roussy. Le roi est meilleur chevalier. » Par vanité, mais ne voulant pas abandonner l'un des siens, le roi s'écrie « Vous l'avez dit, cet homme n'est pas le roi, mais le voici. » Et d'un coup de masse d'armes, il écrase un des croisés. Tous se précipitent sur le roi et il est rapidement mis à mort. La ménade royale d'Aragon accourt trop tard pour défendre le roi. Beaucoup sont tués parmi eux, Gomez de Loun, Miquel de Luzia, Miquel de Rada et les Pardo, père et fils. L'infanterie aragonaise y enfuit, ne reste que la ménade royale. C'est probablement ici, entre Murette et Seyss, que le roi d'Aragon, Pierre II, a été tué lors du premier assaut des croisés. C'est alors que Montfort, qui jusque-là était resté en réserve, remonte la rive droite de la Louge vers les tentes toulousaines,
culbutent les chevaliers de Comminges et de Foix jusqu'au gué du marais de Rudel. Ayant trouvé un étroit passage pour sa cavalerie, il s'y engage et retourne vers la plaine de Pesquies, où il s'enfonce dans les flancs de l'armée d'Aragon. Voyant tout cela de très loin, Raymond, qui n'a pas été appelé au secours, pense que la victoire est acquise et fait reprendre l'assaut des murs de Murette par les milices consulaires. Il ne s'inquiète pas de la débandade des fuyards de l'infanterie aragonaise qui détale sur la rive gauche de la Louge. En venant avec son troisième corps couper la route des Français au château, il aurait pu décontenancer les Francs en les attaquant sur leur arrière, mais il n'en fait rien. Cette fois, privé de sa piétaille, l'armée d'Aragon est en sous-nombre et ceux qui ne sont pas tués refluent vers la Louge. Le deuxième corps aragonais reflue vers la Garonne. À ce moment, les 1000 cavaliers de Toulouse et de Comminges n'ont pas été engagés, ni ses 20 000 fantassins. Contre toute attente, à l'approche des croisés qui reviennent vers Murette au nombre de 300, Raymond décide de battre en retraite. Pendant ce temps, les milices bourgeoises toulousaines qui étaient sur le point de prendre la place forte voient sortir un émissaire des évêques qui leur annonce leur défaite et leur propose de déposer les armes. L'émissaire est malmené car il croyait vraiment à leur proche victoire. C'est à ce moment qu'apparaissent les étendards de Montfort qui les chargent aussitôt. Pris de panique, ils refluent vers la Louge et vers les tentes du camp toulousain. Ils sont massacrés dans l'escarpement. Beaucoup s'y noient. Les survivants courent vers la colline de Peramont, mais la cavalerie n'est plus là. Raymond est parti. Beaucoup sont tués, certains parviennent toutefois à rejoindre la flotte des Comtes, mais la plupart ne peuvent embarquer et s'y noient. Dans sa chronique, Jaume d'Aragon, le propre fils de Pierre, détaille les raisons de la défaite en 4 points. Mais rappelons son âge au jour de la bataille, il avait 5 ans et demi. Les croisés eurent l'art de masser plusieurs corps en un seul. Les troupes du roi, au contraire, ne surent pas se concentrer, ni adopter un bon ordre de bataille. Chaque chef de corps eut le tort de s'isoler dans le combat et de ne suivre que ses convictions personnelles. L'armée aragonaise fit de chaque arme un usage peu judicieux, contraire à sa nature. Au contraire, c'est des décisions appropriées à chaque fois et la rapidité d'exécution de sa cavalerie qui permirent la victoire à Montfort. Au résultat, il faut compter 18 à 22 000 morts côté occitano-aragonais, 8 du côté de Montfort et environ 70 blessés. On a vu plus haut que Pierre d'Aragon convoitait les terres d'Oc depuis les déboires de Raymond de Toulouse qui avait perdu énormément de suzeraineté sur les terres des vassaux faillites. Ces terres étaient tombées dans l'escarcelle de Simon de Montfort, qui entendait bien devenir le prochain comte de Toulouse. Pierre d'Aragon se voyait bien suzerain des terres d'Oc. À ce titre, il était même devenu un danger plus tangible que celui du roi de France, très loin là-haut dans ces froides terres de l'île de France. Pierre d'Aragon multipliait ses ambassades auprès du pape et courtisait les seigneurs occitans. Il commençait même à avoir l'oreille des consuls des grandes villes, lassé des tergiversations de Raymond de Toulouse. Quant à Raymond, son repli stratégique en plein cœur de la bataille avait 3 avantages. Il préservait ses propres chevaliers, laissant ainsi aux prises 2 dangereux ennemis qui pourraient s'entretuer, Pierre II et Simon, mais il punissait aussi les habitants de Toulouse et du Comminges, qui avaient eu l'impudence de montrer des signes d'intérêt à une possible domination de Pierre II d'Aragon. Du reste, au lendemain de la bataille, il va s'en retourner vers son château de Beaucaire avec ses chevaliers intacts. Il n'aura aucun mot de compassion envers les nombreux foyers de la région toulousaine touchés par le massacre.